et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josia. Et mes Steve Niungeku et Inès Gakidzation de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce jeudi 10 septembre 2020. Tout d'abord, les principaux titres. Recrudescence de l'insécurité dans diverses localités du pays. Ce mercredi soir, une attaque à la grenade a fait un mort et quatre blessés à Wuyenzi. Quant à en province Rumonge, certains habitants ne dorment plus chez eux par peur d'être tués par les Imbonerakure de la place. Les professeurs de l'école fondamentale Saint-Louis de Gonzague crient à la discrimination ethnique. Selon certains d'entre eux, le père jésuite qui en est le représentant persécuterait certains d'entre eux de l'ethnie Tutsi, allant même jusqu'à ne pas les affecter. Dans ce magazine, nous vous parlerons également de la satisfaction des éducateurs de la zone Gatumba qui se réjouissent du taux élevé des élèves inscrits cette année scolaire. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page sécuritaire où une personne est morte et quatre autres ont été grièvement lancées la nuit dernière dans un ménage de la zone Wuyenzi en commune urbaine de Nahangwa. Trois voisins de ce ménage attaqués ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. Le point avec Balthazar Mibour. Le ménage attaqué se trouvait à la deuxième avenue dans la localité dite Kigalamango de la zone Buyenzi. Les habitants de la localité disent avoir passé une nuit cauchemardesque suite aux explosions de grenades la nuit dernière vers 2h du matin. Certains d'entre eux affirment qu'ils ont veillé jusqu'à l'aube. Bon, juste on était endormis, c'était dans la soirée, d'où on a entendu la première explosion, une grenade quand même. Mais on ne savait pas qu'il s'agit d'un grenade parce qu'on est des simples citoyens, on ne savait pas de quoi s'agit-il. Mais le second a poursuivi dans quelques instants. Bon, quand on s'est réveillés tous, on a constaté, on a regardé dans nos montres et c'était à partir de 2h passé quelques heures. Ces grenades ont été lancées dans le ménage d'un certain Jean-Marie Mbonihanguye qui est mort sur le champ. La victime était avec quatre autres personnes. Ces habitants de Kigalamango disent que les malfaiteurs se cachent souvent dans la rivière Nahangwa avant d'attaquer les ménages. Ils demandent que des positions des agents de l'ordre y soient placées. Le bilan, il y a eu un mort sur place. Bon, et puis d'autres blessés qui sont à l'hôpital pour le moment. Bon, nous demanderons seulement de mettre, s'il pourrait y avoir au moins un moyen de mettre la base là, qui peut veiller jusqu'à la matinée, si c'est possible, parce que vous voyez, si c'est juste au bord de la rivière Nahangwa, c'est dans la sortie de l'autre côté là, les malfaiteurs peuvent aussi passer à travers Nahangwa pour venir nous faire du mal, comme ça il y est hier soir. Dans un communiqué, la police dit avoir arrêté trois personnes pour raison d'enquête. Balthazar Miburu, les Imbonerakure de certaines localités de la province Rumonge intimident les habitants de ces localités. Ils leur disent qu'ils vont se venger, qu'ils vont plutôt venger leurs camarades Imbonerakure tués en tuant à leur tour des gens qu'ils soupçonnent de collaborer avec des mouvements armés qui ont mené des attaques ces derniers jours dans cette province. Actuellement, la majorité des habitants ne dorment plus chez eux de peur d'être tués. Éloge Divin Remesha, reportage. Les habitants de certaines communes de Rumonge vivent la peur au ventre. Ces derniers jours, ils n'osent plus dormir chez eux de peur d'être tués par les Imbonerakure de la place. Cet habitant de la commune Burambi indique que, à la nuit tombée, ils essaient de se trouver un endroit sur où passer la nuit. Il fait également savoir qu'il y a même ceux qui ont définitivement abandonné leur foyer. À Mashoro, Gisagazuba et Nyabukura, on quitte nos domiciles pour aller dormir à Kiganza, et ce, toutes les nuits. Il y en a qui passent la nuit près de la position de Dondi,
tandis que d'autres optent de demander refuge dans des ménages qui sont près des positions policières ou militaires. On retourne chez nous le matin. Il y en a même ceux qui sont partis et qui ne sont jamais revenus chez eux. La commune Rumonge n'est pas non plus épargnée, mais à une différence près. Là-bas, les Imbonerakure jurent de se venger sur les familles Tutsi de cette localité. Les gens ne cessent de fuir leur ménage sur la colline Midodo, qui se trouve en zone Minago de la commune Rumonge. Ils passent les nuits dans les marais de peur d'être lynchés par les Imbonerakure, qui les accusent de collaborer avec des rebelles. Les Imbonerakure disent que ceux qui attaquent sont des Tutsis qui proviennent de la zone Rutemi en commune Rumonge et qui ne vont pas rester les bras croisés alors qu'ils connaissent bien leurs ennemis. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le consolateur Nitunga, gouverneur de la province Rumonge, mais il s'est refusé à tout commentaire. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page droits de l'homme, plus de 140 Burundais qui étaient bloqués au Rwanda suite à la pandémie de la Covid-19 ont finalement regagné leur pays natal ce jeudi matin. Ils avaient saisi l'ambassade du Burundi à Kigali il y a plus de 3 mois pour les aider à avoir l'autorisation de traverser la frontière burundaise fermée et dans le cadre de la prévention de cette pandémie. Une autorisation que le gouvernement n'avait pas encore donnée. Droits de l'homme toujours, les enseignants de l'école fondamentale Saint-Louis de Gonzague, une école sous convention des pères jésuites, accusent le représentant légal de la dite école de persécuter certains enseignants pour des raisons ethniques. Ces enseignants donnent l'exemple de deux de leurs collègues qui, pour cette nouvelle année scolaire, n'ont pas été affectés. Une stratégie, selon ces enseignants, adoptée par ce père jésuite pour arriver à les renvoyer suite à leur ethnie. L'on vient de me faire signe que l'élément sonore n'est pas encore pris. Nous y reviendrons ultérieurement. La population de la colline Namande, commune Rusaka de la province Mwaro, demande aux autorités habilitées de leur indiquer où sont détenus deux jeunes hommes de cette localité introuvable depuis près de 2 semaines. Ils ont au départ été arrêtés il y a 11 jours par les services nationaux des renseignements au nombre de 5, accusés de complicité avec les mouvements rebelles. Pour le moment, 3 d'entre eux sont incarcérés depuis 2 jours à la prison centrale de Mimba. Les détails avec Trésor Nyonga. Ces deux jeunes hommes en question sont Jérôme Nakarutimana, coordinateur du parti CNL sur la colline Ruchunda de la commune Rusaka en province Mwaro, et bienvenue Ndachayisaba. Les deux ont été appréhendés en date du 1er septembre de cette année au chef-lieu de la province Muramvya. Selon les informations en provenance de cette localité, ils ont été accusés de complicité avec les rebelles. Pour le moment, les proches de la famille ainsi que les voisins demandent aux autorités habilitées de leur montrer où sont incarcérés ces jeunes. Depuis qu'ils ont été arrêtés à Muramvya, nous n'avons aucune nouvelle sur l'endroit de leur détention. Nous sommes vraiment dans le chagrin car ils n'ont commis aucun crime. Nous demandons aux autorités judiciaires de nous montrer où se trouvent Bienvenue et Jérôme qui ont été arrêtés à Muramvya, comme ils l'ont fait pour les 3 autres qui sont actuellement détenus à Mimba. Les proches de ces jeunes hommes indiquent que leurs familles sont dans la désolation totale, surtout qu'elles ne peuvent même pas faire le deuil sans être sûres que les leurs ne sont plus. Ils ne savent pas quoi faire actuellement car ils ne peuvent même pas faire le deuil. Nous avons essayé de les aider à chercher partout, mais nous n'avons rien trouvé. Pour le moment, la peur est grande au sein de la population de cette localité car, à côté de ces 5 jeunes qui ont été arrêtés par les agents de l'ordre, une liste d'autres personnes à arrêter a été dressée. Jusqu'à présent, la police et les services de renseignement des provinces Mwaro et Muramvya gardent le silence radio. Nous avons contacté l'OPC1 Agaton Kassa qui aurait intimé l'ordre d'arrêter ces jeunes hommes, mais son téléphone est resté injoignable.
Merci à toi, Trésor Niyongabo. Droits de l'homme, c'est aussi la multiplication ces derniers jours des violations des droits des prisonniers dans certains établissements pénitentiaires au Burundi. Selon le rapport produit par la CAT Burundi, le phénomène de traitement inhumain et dégradant dont sont victimes certains prisonniers politiques avait sensiblement diminué les trois derniers mois. Et le chargé du département juridique au sein de la CAT Burundi fait savoir que la reprise de ce phénomène est liée aux récentes attaques de groupes armés. Suivez Jean-Claude Niburumusi, il est chargé du département juridique au sein de la CAT Burundi. Au cours de son mois d'août 2020, la CAT Burundi a documenté des violations des droits humains commises à l'endroit des personnes privées de liberté en général, et ce, poursuivi pour des crimes à caractère politique en particulier. Le présent rapport couvre les établissements pénitentiaires de Gitega, Muramvya, Bujumbura, Rumonge, Rutana, Ruyigi, Ururi, Muyinga et Bubanza. En ce qui concerne les traitements inhumains et dégradants, il a été constaté que cette forme de maltraitance qui avait sensiblement diminué les trois mois derniers a repris avec cette seconde moitié du mois d'août. Nous avons pu remarquer que ce phénomène est lié aux récentes attaques des groupes armés dans les différentes localités du pays. Les détenus politiques de la prison de Muramvya et Mpimba sont beaucoup plus concernés par cette barbarie. À la prison de Mpimba, il a été interdit un rassemblement de plus de trois détenus. Et des fouilles, perquisitions intempestives ont été constatées. Elles étaient accompagnées de vols, surtout dans les cellules occupées essentiellement par des détenus politiques. En ce qui concerne le non-respect des décisions judiciaires, au cours de ce mois, nous avons pu encore une fois constater que cette forme d'injustice est toujours récurrente. Un cas pour ce mois s'ajoute à plusieurs autres déjà rapportés. Il s'agit d'un certain Mani Chassiliak, détenu à la prison de Ruyigi. Il a été acquitté par le TGI Ruyigi en date du 27 août 2020. Jusqu'à ce jour, il croupit dans la prison. Jean-Claude Niburumusi encourage toutefois les autorités de la prison de Bubanza qui fournissent des efforts pour faire respecter certains droits des prisonniers, dont celui de se faire soigner pour ceux qui nécessitent des transferts en dehors de la prison. Et comme je vous le disais, dans quelques instants, les enseignants de l'école fondamentale Saint-Louis de Gonzague, une école sous convention des pères jésuites, accusent le représentant légal de la dite école de persécuter certains enseignants pour des raisons ethniques. Ces enseignants donnent l'exemple de deux de leurs collègues qui, pour cette nouvelle année scolaire, n'ont pas été affectés. Une stratégie, selon ces enseignants, adoptée par ce père jésuite pour arriver à les renvoyer suite à leur ethnie. Le point avec Emmanuel Niyonge. Un de ces enseignants de l'école fondamentale, c'est Louis de Gonzague, c'est au quartier Kiriri qui sont persécutés et prénommés Serge. Certains enseignants de cet établissement scolaire, sous convention de la congrégation des pères jésuites, indiquent que tout a commencé au mois de mai dernier, lorsque l'abbé Ezekiel Manirakiza, en même temps représentant légal de cette école, a fermé la boutique qui était louée par cet enseignant. Une activité commerciale de l'enseignant prénommé Serge avait débuté grâce à un crédit bancaire qu'il a dû contracter, ajoutent nos sources parmi le corps des enseignants au dit établissement. Les informations fournies par nos sources à cette école et confirmées par certains prêtres de la congrégation des pères jésuites font savoir que l'enseignant Serge est persécuté parce qu'il est d'ethnie Tutsi. Les enseignants de l'ethnie Tutsi ne sont pas appréciés par l'abbé Ezekiel Manirakiza depuis son arrivée à cette école à la fin de l'année 2019. Ces enseignants ajoutent que leurs collègues se trouvent dans la désolation, ne sachant pas comment il va rembourser cette dette bancaire. L'abbé Ezekiel Manirakiza confirme que c'est bel et bien lui qui a fermé la boutique, car le locataire avait violé les règles du contrat, dit-il, tout en rejetant toutefois les raisons ethniques. Cette personne avait une boutique, mais la boutique a été fermée parce que les logeait des personnes, notamment son petit frère. Il utilisait aussi comme un salon de coiffure d'une part et comme un bistrot d'autre part. Nous avons donc pris la décision de nous débarrasser de lui et de fermer sa boutique au mois de mai. Nous lui avons remis tout son argent. Peut-être qu'il a un problème psychologique, car en moindre remarque, il répond
apprend toujours qu'il est victime de son appartenance ethnique. Certains enseignants indiquent que l'abbé Ezekiel Manirakiza serait en train de chercher tous les moyens possibles pour que Serge et une religieuse, elle aussi enseignante à cette école, soient démis de leurs fonctions à cause de leur appartenance ethnique. À la rentrée de cette nouvelle année, les deux enseignants se sont retrouvés sans aucun cours à dispenser. Ils se présentent chaque jour, mais ne font rien. Contacté à ce propos, Denis Habonimana, directeur de l'école fondamentale Saint-Louis de Gonzague, a refusé de donner les informations par téléphone. Merci à toi, Emmanuel Niungeko. Une courte pause et nous abordons la page coopération de ce magazine. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndiloussa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Halilimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. L'Union européenne serait disposée à discuter avec le gouvernement burundais afin de lever les sanctions prises par les pays membres de cette communauté. C'est du moins l'annonce faite par le porte-parole du premier ministère à l'issue de l'audience qu'Alain Guillaume Bunyoni a accordé le matin de ce jeudi aux représentants de l'Union européenne au Burundi. Selon le porte-parole du premier ministre Bunyoni, ce dernier a demandé que les relations entre le Burundi et l'Union européenne soient fondées sur de nouvelles bases et que l'Union européenne respecte la souveraineté du Burundi. Suivez Hassan Ngendakumana, il est le porte-parole du Premier ministre burundi. Dans leur entretien, ils ont insisté sur la coopération bilatérale. En bref, les relations entre l'Union européenne et le Burundi se portaient très bien avant les élections de 2015. Plusieurs projets ont été réalisés via le Fonds européen de développement, FED. Ces relations se sont dégradées. Cependant, l'Union européenne a pris des sanctions contre le Burundi. Le Burundi a considéré ces sanctions comme injustes et non fondées. Alors, le représentant de l'Union européenne qui a été reçu en audience aujourd'hui a afficher la volonté de l'Union européenne à reprendre les relations entre le Burundi et lever les sanctions qui ont été prises contre le Burundi. D'ailleurs, certains projets devraient bientôt démarrer. Monsieur le Premier ministre a de son côté apprécié cette attitude de l'Union européenne à vouloir négocier avec le Burundi pour la levée des sanctions. Cependant, il a insisté sur ce qui devrait caractériser les nouvelles relations entre le Burundi et l'Union européenne. Des relations qui devraient se baser sur le respect de la souveraineté burundaise. Des relations liées sur le respect mutuel entre l'Union européenne et le Burundi. De son côté, Claude Bochu, délégué de l'Union européenne au Burundi, a fait savoir que l'échange avec le Premier ministre burundais portait sur les projets financés par l'Union européenne, que ce soit les projets en cours d'exécution, les projets du passé ou ceux à venir. Claude Bochu, délégué de l'Union européenne au Burundi. C'est avec en effet plaisir que je me suis rendu à l'audience que le Premier ministre m'a accordée ce matin. Et donc nous avons fait un bref tour d'horizon des nombreuses actions de la coopération Burundi-Union européenne et des projets et programmes financés par l'Union européenne au Burundi, passé, présent et à venir, je dirais. Donc c'est quand même l'essentiel de notre entretien porté là-dessus. Et je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement, c'est la requalification, la réhabilitation de la route nationale numéro 4, qui permet de renouer donc des liens plus intenses entre Bujumbura et la RDC. Donc les travaux menés par la société Sogea Satom, à notre satisfaction, ont été terminés. Et donc bientôt il y aura un événement de lancement. Donc ça c'est un gros projet quand même, qui nous a occupé un moment. Il y en a d'autres,
Notamment le barrage à Jujimilembe, où là les travaux viennent de commencer. C'est un partenariat avec la Banque mondiale. C'est un ensemble de dossiers où l'Union européenne est très active avec le Burundi et que nous avons évoqué avec le Premier ministre. Voilà. Parlons à présent éducation, où les cahiers de certains élèves des sites Kigaramango, Maramvia et Kiangé 2 ont été endommagés par les eaux des pluies qui tombent ces derniers jours. Des cahiers que ces élèves avaient bénéficiés auprès des bienfaiteurs. Toutefois, les éducateurs de la zone Gatumba où sont situés ces sites apprécient l'assistance en matériel scolaire apportée aux élèves de cette circonscription et surtout l'afflux massif des élèves à cette rentrée scolaire. Le reportage est signé Janvier Nininazgu. Les élèves écoliers qui habitent les sites de Kigaramango, Maramvia et Kinyinya 2 en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi, nous sommes dans la province Bujumbura, ont bénéficié d'une assistance composée de cahiers afin qu'ils commencent la nouvelle année scolaire avec les autres. Malheureusement, comme ces enfants habitent dans des tentes, pendant cette saison de pluie, ces cahiers ont été endommagés. Les éducateurs sont toutefois conscients de ce phénomène, puisque, souligne-t-il, ils reconnaissent que ces enfants habitent dans des tentes usées et en mauvais état qui laissent les eaux de pluie pénétrer. Ces tentes sont presque sans importance. Elles accumulent la chaleur à telle enseigne que personne n'y entre sous le soleil. Et pendant la pluie, les eaux débordent jusqu'à l'intérieur. Avec la saison pluvieuse qui s'annonce, il est normal que ces cahiers conservés dans des tentes soient endommagés par les eaux de pluie, puisque ces tentes déchirées et en désuète laissent l'eau pénétrer à l'intérieur. Cependant, les enseignants de la zone Gatumba indiquent être satisfaits de la participation massive des élèves à l'école depuis la rentrée scolaire. Ils demandent à ceux qui n'ont plus de cahier de se faire réinscrire pour être assistés à la prochaine occasion. Excepté les fainéants, tous les enfants sont à l'école. Même ceux qui avaient raté l'année scolaire précédente suite au manque d'eau ont été admis à l'école. Hier, les directeurs étaient dans la réunion et ils ont été sensibilisés à octroyer des places à tous les élèves sans distinction aucune. La majorité a été suffisamment assistée en matériel scolaire, composé surtout de cahiers. Il y en a même ceux qui ont eu des sacs à dos. Jusqu'à aujourd'hui, l'inscription des nécessiteux continue puisque, dit-on, d'autres bienfaiteurs s'apprêteraient à donner cette assistance composée de cahiers. Rappelons que l'année scolaire 2020-2021 a débuté lundi de cette semaine en cours. Janvier Ninina Hadzgui, le dernier dossier de ce magazine parle de sociétés où la route reliant la zone Nyamakarabo et le chef-lieu de la commune Mugina est difficilement praticable depuis les fortes pluies qui se sont abattues en décembre 2019. Une situation difficile pour la population en général et particulièrement pour les victimes du glissement de terrain de Nyemundu. En cas de disponibilité des aides, chaque famille est obligée de se rendre au chef-lieu de la commune Mugina et doit donc vendre presque la moitié pour pouvoir assurer le transport du reste. Vicky Chris Nineretse, reportage. Du chef-lieu de la commune Mugina, en province Chibitoke, en passant par Nyemhundu jusqu'en zone Nyamakarabo, il y a une distance de 40 km. Cette route a été complétée. Effondrement des montagnes dû aux pluies torrentielles survenues l'année dernière. Cette route est totalement impraticable par les véhicules. Seuls les motos peuvent y passer. Au moment où les localités de Nyemhundu et Nyamakarabo sont considérées comme des greniers de la commune Mugina, les habitants de ces localités ont un grand problème de se rendre au marché pour vendre leurs récoltes. Lorsqu'ils vont recevoir de l'aide au chef-lieu de la commune, ils sont obligés de vendre la moitié de cette aide pour avoir des tickets de transport. Ils sont allés récupérer l'assistance à la commune, mais pour rentrer, ils ont dû en vendre une partie et ainsi avoir le ticket retour. C'est vraiment un problème. Ces habitants de la commune Mugina demandent au président de la République d'honorer ce qu'il leur a promis lorsqu'il était président du parti au pouvoir. Quand ces catastrophes sont survenues, l'actuel président, qui était à cette époque secrétaire général du parti, est venu à l'enterrement des victimes. Il avait promis que la route allait être réparée. À ce propos, nous avons essayé de contacter Jean-Claude Karegwa, porte-parole du président de la République, mais il s'est refusé à tout commentaire.
Merci à toi, Vicky Chris Niniriti. C'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce jeudi 10 septembre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à Inès Gakidza et Mestive Niungeko qui étaient de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation, vous étiez avec Josanne Muzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ce toujours au pays à travers une information de qualité. Okay.